Et ce qu'il faut savoir, c'est que même dans les cas de grand froid, certains SDF ne souhaitent pas être mis à l'abri, souhaitent rester seuls dans la rue. C'est leur choix. Il y a plein de raisons pour lesquelles un SDF refuse d'être mis à l'abri. Tout simplement ne pas vouloir être en communauté. Certains d'entre eux sont dans des situations psychologiques très compliquées. D'autres souhaitent rester en couple et les structures d'hébergement n'accueillent pas forcément les couples. D'autres sont avec des animaux domestiques et les structures d'hébergement n'accueillent pas forcément les animaux domestiques. Mais au-delà certains d'entre eux ne souhaitent pas... Tous les autres, c'est leur choix de dormir dans la rue. L'immense majorité, c'est leur choix. L'immense majorité, c'est leur choix. Vous savez, le gouvernement, c'est eux qui ont fait les grandes écoles, c'est eux qu'on écoute. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça, c'est genre, on leur propose et tout. Sauf au 115, c'est souvent plein. Il me reste quelques unités. Je pourrais truc. Ah, c'est encore plein, mais passer plus tard et tout. Non, nous, il faut que ça soit sûr. C'est un peu le même exemple que la personne qui refuse un travail, deux travail. Moi, je connais, moi, proposez-moi un travail, je travaille. Hein. Je connais pas beaucoup qui font pas celui-là. La nuit dernière, vous avez dormi où ? Nulle part, dans un Porsche. J'ai dû m'en aller à 4h30 du matin, parce que les gens sortent à 6h, et je veux pas qu'on me prenne pour un cambrioleur et tout. Et donc j'ai dû m'en aller, là depuis ce matin, je suis dehors. Vous avez appelé le 115 ? J'avais appelé le 115, mais je vous dis, je me méfie. La dernière fois que j'y ai été, il y a un mois, je me suis refait voler mes affaires. Une paire d'un blouson enfin, avec une paire de sandalettes. J'en peux plus. J'ai 51 ans au mois d'août. Ça fait combien de temps que vous êtes à la rue ? 3 ans et demi. J'ai perdu mon travail de préparateur de commandes vocales. Ma femme est tombée en dépression, elle s'est barrée chez ses parents. Et je me vla tout seul, j'ai perdu mon appart et tout en chienne. Ben, sur Marchand de Sommeil, il profite sur moi, il me demande 25 euros par nuit. Avec des cafards, avec les douches à l'extérieur. Perdez toute dignité, monsieur. Il m'en reste plus beaucoup, quoi.